Une culture acadienne qui pourrait se définir comme étant française, c'est-à-dire francophone, la, la culture acadienne parle français. Bon, au départ, c'est ce qui la distingue. Elle est marquée par son histoire. Elle a de la mémoire du passé. Donc, elle traîne ce syndrome de la déportation. Elle est joviale. Elle est très... Euh, Heureuse, parce que elle déteste avant tout souffrir. L'Acadine, on a assez souffert, elle ne veut pas continuer à souffrir. Donc, quand j'ai vu une fois la Sagouine jouer devant un public, euh, surtout français, mais avec quelques Acadiens qui étaient là, à ramcook et les Français étaient très, euh, pas heurtés, mais surpris d'entendre rire les Acadiens à la Sagouine. Au spectacle de la Sagouine, il dit :« Comment pouvez-vous rire à une telle tragédie que vous avez vécue ?» Mais je disais :« Pour ne pas mourir qu'on rit. » Et justement, le peuple est joyeux, le peuple acadien en général est joyeux. Il est heureux dans la fête. Il, il aime se saouler de tout, de mots, de de, de vin, de tout, de, de bonheur. Il court après le bonheur pour réparer le temps perdu et pour retrouver le temps perdu. Les Acadiens ont été heureux pendant 100 ans en Acadie, avant la déportation. De 1713 à 1755 presque, ou mettons, euh, non, de, de 1604 à 1713, ils ont été heureux. De 1713, avec le traité du d'Utrecht, ils, ils ont perdu, mais là, ils sont restés quand même là-bas. Et en 1755, ils sont déportés. Alors, ils se souviennent des époques anciennes où ils, ils vivaient en Acadie, qui était une déformation de Arcadie, une sorte de paradis, mais qui a été perdue. Et ils veulent retrouver, retrouver cette ville-là. Donc, il y a des instincts dans, dans l'âme acadienne de chercher le bonheur. Et ça, ça caractérise l'Acadien aussi. On est Français... On était catholique de religion, euh, on était euh, plein de mémoire de la vieille France, on traînait cette mémoire, on était beau parleur, c'est-à-dire on aimait parler, puis parler c'était raconter, puis inventer des histoires. On était menteur par tempérament. Par, euh, oui, L'Acadien est naturellement un inventeur de cordes à virer le vent, hein? c'était ça qu'on l'appelait. Alors, euh, et. Il était en général assez joyeux. Je dis il était, je pourrais dire il est encore tout ça.